Je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je voulais pas vlogger. En fait, je me mets à vlogger, mais je sais pas sur quoi je vais vlogger. Il n'y a pas un thème précis. Si toi, on va filmer un Disney News, d'accord. On a quelques images, c'est avec Clément Disney Time qui a foutu le bordel. Regardez ça. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va vous montrer comment... Parle plus fort, Elias. On va vous montrer comment faire fonctionner tout. Ah, tu te présentes, présente-toi. Alors moi, je suis Clément Disney Time. Voilà, on va vous montrer comment tout faire fonctionner, mais d'un coup. Regardez. C'est magique. Prêt ? Ah, il est content. Ah, il est malheureux. Voilà, donc au lieu de payer 2 euros, si vous avez un appareil photo, bah... Mais le prix... Ça s'arrête plus le gars. Ça fait du bruit. Il va passer sa journée ici à faire ça. Il va avoir 30 gigas de photos de... Bon, vous l'avez compris, hein, c'est le flash. C'était l'info du jour. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, vous êtes servi. Mais c'est moi le Disney News, ok. On va lui piquer sa place, on va lui piquer sa place. Oh, il y a de la concurrence, il y a du monde là. Victor, bats-toi pour ta place. Non, il se bat, il a renoncé. Il n'en a même pas la peine. Je trouve que juste pour ça... J'avais démarré moi. Oh là, je suis tout loin. Ne prends même pas la peine de se battre pour sa place. Je pense que juste pour ça, on devrait prendre sa place. Alors normalement c'est le genre d'image qui irait dans le Disney News présenté par Victor, mais là je suis tout seul, je vous montre ça. C'est quand même spectaculaire. Alors je sais que ce sont des échafaudages, mais la scène en effet est annoncée comme étant plus grande, le Chapala Theater. Donc ce sera également chauffé, on en avait discuté, donc très bien pour l'hiver. Alors vraiment, j'ai qu'une impatience, c'est de voir le nouveau spectacle. En plus le Roi Lion, ça va être quelque chose. Mais c'est... Si je peux avoir un autre angle, non, la palissade est grande. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment spectaculaire. Victor, quand il était petit, avait tendance à avoir une coupe au bol. Et plus petit que maintenant, même s'il était grand pour son âge. Comme il n'a jamais été très épais, je trouvais que par moments, il ressemblait à Mowgli. Version un peu palote, mais il ressemblait à Mowgli. Et là, c'est marrant, regardez ces images, c'était la rencontre qu'il devait se faire. Enfin, la rencontre, c'est bref. Victor. Balou. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous devez vous rappeler, ma spécialité c'était de les perdre. D'un seul coup j'étais tout seul. Donc là j'étais un peu à l'écart pour filmer la séquence avec le Chapala Theater. Eux ils sont allés au Pueblo pour voir des pins. Et à 11h15, ce qui est, il est 11h15 là au moment où je vous parle, on devait aller, là on avait Fastpass pour faire Big Thunder. Donc pendant que je filmais, je les ai vus passer derrière moi, je suis en finale avec les pins. Ils vont m'attendre pour Big Thunder. Sauf qu'ils ne sont pas là et je ne sais pas du tout où ils sont. J'ai faim. Ça c'est voilà historique avec nous. J'ai faim et je les ai perdus. Bon. Je suis pas aveugle, hein, je les vois pas. Voilà. Alors je sais qu'on peut venir plus tard avec les fast-pass. Mais tiens, j'en profite. Alors oui, une petite astuce, avec quand vous avez un fast pass, vous avez un créneau horaire. Donc admettons, comme là pour nous c'est 11h35. Vous ne pouvez pas venir avant. Normalement, c'est 11h15, on ne vous laissera jamais passer avant. Mais vous pouvez venir plus tard. Nous, avec des fast pass donc du matin, on est déjà venu carrément en soirée. Ça c'est pas un problème, vous dites voilà j'étais, bon, généralement vous demandez rien, mais si la personne chipote un peu, vous dites ah, j'étais dans l'autre attraction, on a eu ça, il y a eu spectacle, voilà, on vous laisse passer. Donc vous pouvez pas venir avant, mais vous pouvez venir quand vous voulez après. C'est bon à savoir. Et je n'ai toujours pas retrouvé hein, par contre. Je cherche toujours, le temps passe, je cherche, je suis seul, j'ai refait tout Frontierland, je les trouve pas, et oui bien sûr j'ai quand même mon téléphone, mais personne ne me répond. Voilà, l'idée était peut-être de m'abandonner. Au moins j'aurais mon fast-pass avec moi, j'aurais été le faire en solo, tant pis. Et c'est pas le cas, je crois que c'est Victor qui les a. Super.
J'aime bien ce petit coin, il n'y a pas trop de monde parce que le parc là est vraiment bondé. Ça va être mon vlog en solo. C'est bien parce que j'ai démarré en disant qu'il n'y avait pas de sujet. Je savais pas trop ce qu'on allait faire, pourquoi je vloguais, c'était pas l'idée. Je vois pirater princesse. Ah, je pense qu'ils sont allés à pirater princesse. D'accord. Me prévenir, je pense que c'était un luxe. On n'allait pas le faire. Il y a la dissension chez les All Around Dreams. En plus, on a des guests. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est de la mauvaise foi. Me dire qu'ils allaient faire pirater princesse. Mais tu oui, aujourd'hui. De nous non, non, on je te vlogue l'a en dit solo. Pendant un non, non, crie pas, les gens ne savent pas ce qui se tu passe. Je vlogue en solo maintenant, je me mets à l'écart. Parce que vous m'avez planté. Vous m'avez. Ouais, I am the Batman. Non, je donne pas la caméra. Je garde la caméra. Les gens assistent à ça. Je m'en fous, on va pas couper, je vais mettre tel quel. Non, attends. Vous êtes allé au Pueblo. Moi j'étais en train de filmer. Vous, Jean, t'as été attends, aux je vous ai vu. Je suis pas aux toilettes. Je vous ai vu passer, je me suis dit, ils vont fasse passe puisque c'est l'heure. On t'a attendu. Sauf que. Au tir. Non. On t'a attendu au stand de tir. Bon, c'est pas grave, j'ai pu dire bonjour à Mister Sass, c'est un gars très sympa. Je suis. Non, bah, attends, comment. Alors, je suis vénère ma race.
Je vénère ma race. Non mais je suis sérieux, j'ai passé quasiment 10 minutes à tourner en rond à vous chercher. D'un seul coup j'ai entendu la musique, je me suis dit, oh la vache, ils se sont barrés à pirater mais princesse. Bien sûr, on s'est j'ai téléphoné, personne ne me répond. Oh, franchement, honnêtement, personne les, me répond. Les amis, qui ne serait pas allé à pirater princesse et serait resté avec Christophe en train de mettre 4 heures? Non, c'était faire... l'heure d'aller au fast-pass. T'as été faire popo. Le titre du vlog, engueulade à Frontierland. Règlement de compte à Frontierland. Ça s'y prête bien, règlement de compte à Frontierland. On va se mettre face à face, face en duel. J'avais pas de matière pour mon vlog, et ben voilà mon vlog. Encore abandonné. Qu'est-ce qu'il fait derrière moi, l'autre? Tu crois que je te vois pas avec mon retour caméra? Un Batman! Avec ses lunettes. Attends, viens là, viens là. Alors regardez bien les lunettes de monsieur. Ici on a... un bouton. Un bouton. Quand on appuie dessus, ici on a une caméra. Je vais vous montrer, comme ceci. Ben mais les gens vont pas voir que tu filmes. Voilà, et là il est en train de filmer en fait. C'est pas incroyable ça? Donc si tu appuies une fois, tu as 10 secondes. Deux fois 20 secondes, et si on reste appuyé une photo. Et si tu restes appuyé une photo, voilà. Donc c'est... voilà. Pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. D'accord. C'est la technologie, hein. Et c'est, oui. Voilà. C'est... ça vaut pas... je sais pas si tu avais vu ma vidéo, la caméra de Philippe de Dallard Pifan. Oui, oui. La petite truc. Ah, elle est géniale. C'est stylé. Ah, elle est géniale. C'est mon ami qui me l'a conseillé, mais voilà. Waouh. Ouais. C'est bon. Oui, Non, ça va. C'est combien? Pour ce qu'elle est, elle est à... il l'a eu à 380 euros. Ah. Pour moi, ça fait un coup quand même. Oui. Bon. Là, on s'égare. Là, c'est le... ouais. En anglais, on appelle le small talk. Voilà, on parle comme ça. C'est... qu'est-ce que t'as mangé hier? Je rigole, je coupe. On arrête, on arrête. Enfin, quel repas? Parce que t'en fais combien par jour? 8. 8. Ah, je suis à 6. Mince. Faut que je te rattrape. Ouais, oui. Ouais. Je vais te rattraper, t'inquiète. Hello, bébé. On est 7 pour faire Big Thunder Mountain. C'est 7. Là-bas 6, 7, 8, 9. Rangez-vous à votre chapeau. On a Manon, oh, c'est quoi, c'est Victor, Elias. Allô, Paddy. Mister Sass. Clément Disney Time. Allô. Allô. C'est... ah oui. Wow. Manon, il est où ton badge? J'en ai pas. C'est bien. On t'en a pas donné? Non. Merde, on lui a pas donné de base. Who's filming who? Hello! 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 Bonjour! Tout le monde filme tout le monde! Je crois que je vais suivre une belle attraction! Bonjour, là! C'est vraiment bonjour! Hello! Bonjour, bienvenue dans un nouveau Disney News! Vas-y, vas-y, lance une news! Cette semaine, au merchandising! T'as rien à dire! La fumée marche depuis 4 mois, c'est ça! Bah attends, là je coupe, on est dans le noir!
on est au Cowboy Cookout, notre cantine préférée. Et alors, je vais vous montrer la cast member. Regardez bien. C'est quoi, il y a jus d'orange, fustie et... C'est ça, citronnade, voilà, et de l'eau. Ah, citronnade, je vais essayer. D'accord, en petit toujours ? En petit. D'accord. Permettez. Voilà. Non, mais c'est génial. Il est très très beau. Stitch en chapelier fou. Super. Qu'il y a du monde sur le parc, ça c'est la queue pour sortir, et bien entendu c'est 5 fois ça pour rentrer dans le parc. J'ai pu apercevoir ça, donc là on va aller faire un petit saut au studio, et c'est busy day comme on dit en anglais.
Je sais qu'on est tout le temps en mode course entre les attractions, les spectacles, ceux qui passent d'un parc à l'autre. Mais là, si vous regardez le flux continu des gens donc, qui vont et viennent entre les deux parcs, ou qui s'en vont, qui y arrivent. Et il y a ces petits coins dans les Fantasia Garden que moi j'aime bien. Ceux par exemple qui pique-niquent, au lieu d'aller aux tables des restaurants, je ne veux pas voilà, taper sur les doigts des gens, mais il y a des coins comme ça, c'est toujours vide. Vous avez des bancs, donc c'est le long de l'hôtel, dans les Fantasia Garden. Vous pouvez être à l'ombre, vous pouvez être au soleil, et c'est calme. La musique, c'est pas assourdissant à cet endroit. Et vous pouvez regarder les gens qui vont dans tous les sens, et vous, vous êtes là, tranquille, pépère. Les petits kiosques aussi, comme vous pouvez voir, c'est vide. Là, on est à l'heure de pointe, il y a un monde incroyable, et ici, c'est extrêmement calme. Moi, j'aime bien ces petits endroits. Donc, bien sûr, vous avez des deux côtés du parc. Et les gens passent sans voir. Je suis sûr que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a des bancs même ici. Donc là, on est au studio. On croise des Stormtroopers. Ils prennent leur rôle très à cœur. Ils doivent trouver des rebelles, quel que soit leur âge. Regardez où ils vont les chercher. Au studio 1, quand vous arrivez pendant la saison Star Wars qu'on a en ce moment, il y a des musiciens qui jouent différents thèmes. Alors souvent, ils s'éloignent complètement de Star Wars. L'autre jour, il y avait Ghostbusters, ils partent dans d'autres thèmes musicaux liés au cinéma. C'est toujours très bien joué, c'est très intéressant à voir. Mais cette fois-ci, quand on est arrivé, ils jouent du Star Wars. Et puis, ils sont partis sur la marche avec Darth Vader. Et des cast members qui avaient pris des enfants avec les jouets qu'il y a dans le magasin, je m'étais regardé ce qu'ils ont fait. C'était un vlog sans ligne directrice, c'était même pas prévu que je vlog aujourd'hui. En espérant que ça vous a plu. Bye bye!